Bonsoir à tous, 18h pile, comme chaque jeudi soir, 18h-18h30 sur Zéro net TV, c'est votre rendez-vous live sur l'actu high-tech de la semaine, c'est Zéro Live Hebdo, bienvenue, bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous, des aides gouvernementales pour les oubliés du haut débit en France. Ils pourront en principe se connecter quand même grâce à la 4G, grâce aux satellites, et on va les aider financièrement, mais comment Hein eh bien on va voir ce qui se cache derrière cette annonce gouvernementale avec Amélie Charnet dans un instant. Voilà, qui a tout étudié. Vous allez voir, c'est très simple. Euh, et si tout changeait dans l'accès Internet, Jérôme, avec des formules peut-être payantes en fonction des services qu'on utilise, vous ne rêvez pas, la neutralité du net est-elle menacée Vous savez que ça bouge notamment aux US en ce moment on en parle tout à l'heure avec Noémie Lefebvre-Marek. Ouais, et Noémie, on peut vous le dire, a mis, euh, a mis, euh, a mis tous, ces, tous ces brillants hein, aujourd'hui. Elle, a mis, Elle ses a mis ses habits de lumière. On peut les dire. On ne vous en dit pas plus, mais vous allez aimer. Voilà, c'est sûr. Côté labo, vous allez découvrir un smartphone d'une marque qu'on n'attendait pas forcément. Euh, c'est la marque Razer. Regardez ça comme il est mignon tout plein. Oh, un smartphone <laughs> J'adore comment il passe, comme oui, ça. Oui, ça. T'as l'impression qu'il qu marche. C'est voilà. Raphaël vous gard... qui viendra tout à l'heure nous en parler. Et puis on vous gardera le meilleur pour la fin. Euh, vous savez qu'en ce moment, il est difficile de passer à côté de Star Wars. Je ne sais pas si tu l'as un... remarqué. Voilà. Un peu que ce soit la pose dans les grandes surfaces, il y en a partout du Star Wars. Hum. Eh bien, vous allez pouvoir vous défier au sabre laser grâce à un jeu en réalité virtuelle improbable. <laughs> Et euh, on en parlera tout à l'heure, évidemment, dans le labo aussi. Voilà, merci d'être avec nous ce jeudi soir. C'est parti pour 30 minutes de High Tech, c'est 01 live. Et pour débuter, bien sûr, notre question 01 net orange comme chaque jeudi soir, on vous invite à réagir sur l'actualité. Et cette semaine, Jérôme, justement, on va parler de la neutralité du net. Et oui. Êtes-vous inquiet pour la neutralité du net en France Alors, pour répondre à cette question, il faut que vous soyez déjà un petit peu documenté. Euh, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous, puisque vraiment tout à l'heure, Noémie va tout nous expliquer. Et vous pourrez nous donner votre avis, dire si euh, véritablement, euh, eh bien ça, ça vous, vous inquiète. ou pas mais Effectivement. Euh, dans un instant, donc, mais, vous, mais si vous connaissez le sujet, vous pouvez d'ores et déjà réagir. Dernière petite chose, c'est que Noël se prépare et euh, on vous prépare aussi avec Jérôme un petit cadeau sur la page Facebook de Zéro net TV. Et oui. Alors, restez connectés sur la page Facebook de Zéro net TV. On fait euh, pas mal de on choses. Quoi Ton prochain. anniversaire <laughs> Non. non. Mais en fait, Noël et en fait aussi le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et dans quelques jours, il y aura une petite vidéo qui va tout vous expliquer. On va vous offrir un super cadeau aussi sur la page Facebook de 01 TV. Bon, comme d'habitude, vous pouvez interagir, poser vos questions, bien sûr, hein, euh, sur Twitter, hashtag 01live. On salue ceux qui sont déjà arrivés et puis aussi sur la page YouTube hein, du live. Euh, la page zéro net tv de ce live, vous pouvez nous laisser vos petits messages, réagir à tout ce qu'on dit. N'hésitez pas, on, est, euh, on essaie de vous lire, même si ça va très vite. Hein. Parfois, c'est un peu compliqué. Ouais. Ce soir, on est très heureux. Nous avons deux femmes avec nous sur le plateau. On commence par yeah. Amélie Charnet. Salut Amélie. Salut. Amélie, la blonde. Amélie, la blonde, avant de retrouver Noémie, la brune. Et voilà, oui. Formidable. Et Amélie, <laughs> vous savez, c'est notre spécialiste des télécoms ici à zéro net. Et euh, alors, et on va revenir quand même sur cette. Euh, décision du gouvernement qui date d'aujourd'hui, je crois bien, pour, on va dire, faciliter l'arrivée du haut débit dans des zones compliquées. Oui. C'est ça Alors, pour petit rappel, le président de la République, cet été, a dit, en 2020, tous les Français auront au moins 8 mégabits de débit. En Internet, accès fixe, je m'y engage. En 2022, ça sera au moins du 30 mégabits. Alors le problème, c'est que tout le monde ne va pas avoir la fibre, parce ah que oui. c'est quand même excessivement difficile et long à, à amener à tout le monde. Donc il y a des solutions, il y a un mix technologique en attendant euh, qui, qui a été présenté. Mm -hmm. Et pour que les Français s'équipent, il va y avoir une petite subvention. Donc à partir d'environ de, juin 2018, ils pourront recevoir au maximum 150 euros par foyer pour s'équiper. Pour faire alors, quoi Pour acheter quoi en fait, Alors, alors soit ça sera pour avoir euh, une antenne parabolique pour capter le satellite, ça on connaît déjà, ouais. soit ça sera pour acheter une 4G box, mais... Malheureusement, les opérateurs n'offrent ce type d'accès que dans des zones euh, il où il y a la 4G déjà, mmh. où c'est bien les services 4G et où il n'y a pas trop de monde parce que vous n'allez oui. pas avoir ça à Paris pour pas qu'il y ait d'engorgement. Soit la toute nouvelle solution, mais qui a quand même ah. un petit goût de, de déjà vu, <laughs> c'est ah. le THD radio. Alors qu'est-ce que c'est que le THD radio Eh ben, ah. c'est une espèce de nouvelle formule du WiMax en fait. Ah oui, le WiMax. Voilà. il la... revient. Mais oui, alors la deuxième grande nouvelle c de un la super semaine. c'est Wi-Fi en fait, mais qui a une très très longue portée. Oui, alors la, la différence, donc, cette semaine, l'ARCEP a dit ça y est, on ouvre les guichets pour les opérateurs qui veulent. On ouvre une nouvelle bande de fréquence qui va être totalement dédiée au THD radio. Et là, euh, la, la différence avec le WiMAX, c'est qu'on va pouvoir atteindre des, du haut débit, du 30 Mbps, parce qu'il y aura donc, une, une fréquence qui sera plus efficace et aussi plus de la, largeur de spectre. Mmh. Donc, Mais 30 Mbps dans les deux sens ah non, ça sera. Ah, alors, ouais. très exactement, les opérateurs qui voudront euh, être candidats et proposer ce service aux abonnés, ils vont devoir s'engager avec des contraintes très sévères. C'est 30 mégabits euh, en théorie, hein, toujours euh, en débit descendant, 5 Mbps en débit montant, ce qui n'est pas si nul. Hein, ouais, non plus, pas grave, hein, voilà. pas si tout le monde pouvait avoir euh, ça en France, c'est euh, formidable. Hein. Et alors, pas dans tous les départements uniquement là où on n'a pas prévu d'amener la fibre rapidement, où la DSL est mauvaise, où il n'y a pas de montée en débit du cuivre qui est prévu. Mm -hmm. Donc est, ça, est, ça concernerait environ Donc, François, 6% des Français. Sa, dans sa retraite, dans sa bergerie en Corse, au milieu des, euh, <laughs> des sangliers, euh, et c'est tout, il n'y a que des sangliers derrière, hein, je crois. Euh, vas-y, vas-y, vas je... <laughs> Il pourra enfin avoir une connexion internet. Tout à fait. Il ne faut pas se leurrer. Et a priori, Orange et CFR, euh, Bouygues et Free ne vont pas se jeter sur le créneau. Ça sera des opérateurs qu'on a l'habitude de voir dans les RIP, les réseaux d'initiative publique, donc des gens comme Domotech, c'est des plus petits opérateurs, mm -hmm. mais qui vont proposer des offres triple play aussi et qui n'auront rien à envier. Et il euh, y aura une petite nuance, c'est qu'il faudra à la fois installer des antennes un peu partout sur les points hauts sur ces territoires, mm -hmm. des grandes antennes. Et pour chaque particulier, il faudra qu'ils soient eux aussi équipés d'une antenne à l'extérieur oui, de leur mur, sûr. soit sur leur toit euh, ou sur les façades. Et ce serait quoi une antenne par maison ou une antenne par pâté de maison, par village Normalement c'est une antenne par foyer. Par foyer une antenne par foyer, sachant qu'on a souvent des maisons isolées, des maisons oui, individuelles. Voilà. Et à l'intérieur, une box pour créer un réseau Wi-Fi à l'intérieur euh, avec lequel on peut connecter tous ces appareils. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Euh, oui, parce qu'on oui bien que la fibre n'arrivera pas partout. Oui. Ça c'est une certitude. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Il ouais. y a quand même des tas de choses qui existent déjà. Il hein. y a des tas de solutions. Il mmh. y a déjà des opérateurs satellites, etc. Mais effectivement, il y avait peut-être parfois le frein alors, financier. Alors il y a des régions en France où on est déjà à saturation, où les gens ne peuvent pas, où, où les opérateurs satellites ne souscrivent, n'offrent plus euh, de nouveaux. Euh, ah, on est au bout. Oui, dans certaines régions. Donc alors il est même question de lancer de nouveaux satellites. Hein. D'accord. Euh, mais ça, ça va prendre un peu plus de temps. D'accord. Et on rappelle que le satellite, c'est surtout pour la voie descendante, mais comment on fait pour la voie montante On passe par le, par le, par le téléphone par, euh... Non, non, non bah, c'est bidirectionnel aussi... ah, hein, bi le satellite. Oui, oui, oui. Le problème, c'est le temps de latence. C'est qu'évidemment ouais, un satellite euh, euh, qui est très très loin euh, haut dans le ciel, oui. vous avez un temps de latence qui est énorme. pas Et puis la voix sur IP, c'est compliqué. Pour mmh. enfin, bon, tous pour tous ces, ces usages-là, il euh, y a Hugo sur euh, YouTube qui nous dit quand pourra-t-on utiliser la 5G. Je sais que des tests sont en cours. Mmh, Est-ce est que la 5G va, comme par magie, euh, permettre à tout le territoire d'avoir du très haut débit? Alors, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura exactement comme pour la 4G. Les opérateurs vont ouvrir quelques villes au compte goutte à partir de 2019. Le vrai lancement commercial de la 5G, c'est 2020. Mais il mmh. ne faut pas se leurrer, les zones rurales ne seront pas les premières servies, Mais ni les premières couvertes. Donc la 5G euh, dans les zones rurales, ça ne sera pas une réalité avant des années et des années. Hein. Oui, bien sûr. Puis en plus, on sait que la 5G, elle ne sera pas euh, forcément euh, en priorité pour pour, oui, ou pour, pour de les zones vie. justement où il n'y a pas de. A pas voilà, de donc bruit, ça ne peut pas être une ce, solution. Beaucoup, surtout mmh. des objets connectés, etc. Hein. Mmh, mmh. Bon, ben bah voilà, ça avance petit à petit. Bon, Déjà ce qui n'empêchera pas le gouvernement de pousser encore ce plan fibre, hein, euh, évidemment, Tout parce qu'on est loin d'avoir euh, fibré en fait, toutes les zones oui, qui oui. sont fibrables. Hein, oui, euh, oui, oui. Amélie, on est d'accord Donc, alors en fait, ils vont euh, obliger les opérateurs à davantage de transparence. L'ARCEP a mis en place, euh, depuis quelques semaines, une nouvelle carte, vraiment très intéressante, je vous engage à aller regarder, du, pour se rendre compte de l'état de déploiement de la fibre en France. C'est la première fois qu'on a ça. Cette carte, elle va être encore enrichie. Donc, les gens vont pouvoir savoir quand est-ce que ça va être déployé dans leur région et où ça en est exactement qui est présent. Euh, donc ça c'est une très bonne chose. Il va y avoir beaucoup de simplifications administratives euh, et notamment aussi euh, il y a un gros volet 4G. Il faut savoir qu'il y a encore un million de Français, ça paraît pas beaucoup, mais il y a quand même un million de Français en... dans notre pays qui n'a pas du tout accès à la 4G. Ouais, c est, c est euh, et là, normalement, euh, le gouvernement veut aussi monter en puissance. C'est en cours de renégociation parce qu'il y a des, 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 des fréquences qui, de, qui sont en cours de renégociation. Et euh, normalement, les opérateurs devraient s'engager à couvrir davantage le territoire et plus rapidement que prévu. Ouais, et puis il y a 12% des Français qui ne se connectent jamais à Internet. 12% ouais. Donc 12%, on est quoi, quoi, donc ça fait 000, 60 millions d'habitants à peu près, peut-être un petit peu plus. Ça fait 6 millions de ouais, Français ouais, 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 qui ne se vrai. connectent pas à Internet. Ouais. C'est incroyable. incroyable hein. Amélie, merci beaucoup. On suivra de toute façon ce, ce dossier à épisode parce que, euh, évidemment, tout ça, c'est n'est pas prévu pour tout de suite. Je crois qu'on va commencer à en parler au milieu de l'année prochaine. C'est ça, c'est ouais, ça, ça euh, 2018. Euh, hein. D'ici là, il y aura eu d'autres mesures. On saura voilà. vraiment quel est le plan d'action pour le mobile, justement, pour accélérer le mobile. Mais donc, première mesure, premier chèque. La plateforme va être mise en ligne euh, mi-2018. Donc, les, les premières personnes à toucher de l'argent pour s'équiper, euh, mmh. ça ne sera donc pas avant six mois au moins. Mmh. Dites-nous, tiens, euh, puisqu'on est en direct, n'hésitez pas à agir. Quel est le débit que vous Avez actuellement chez vous, que ce soit, euh, on va dire en wifi à la maison, en 4G, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire à la fois sur YouTube, euh, dans le flux live YouTube, ou alors sur Twitter aussi. À hashtag hashtag, live. Voilà. Bon, évidemment, zéro si vous avez un très mauvais débit, a priori, vous ne regardez pas en direct. <laughs> Mais vous nous regardez peut-être en replay ou en podcast. Et oui, parce Et que oui. ça permet. Tiens, le Podcast euh, voilà. aussi, au fait. Ça c'est bien aussi le podcast. Oui, le podcast c'est pas mal. Vous Merci beaucoup, Amélie. Veille, vous regardez le lendemain. Merci. Amélie de la rédaction de zéro netcom netcom On va rester dans le web, Jérôme. Oui, pour euh, ouvrir ce gros gros dossier euh, qui pour l'instant se déroule aux États-Unis mais qui pourrait avoir des, des conséquences chez nous en France, c'est la question de la neutralité du net. Hein Derrière ce thème barbare, qu'est-ce qui se cache C'est Noémie qui va tout nous dire. Hein Je vous rappelle qu'il y a toujours cette question 01 net Orange hein, où on évoque avec vous mmh. cette neutralité du net. Est-ce que ça vous inquiète cette neutralité du net Dites-le nous. Euh, C'est notre question zéro net Orange de ce jeudi. Ben voilà, vous oui, êtes à 66 euh, voilà. hein. Mais ce qui est quand même assez logique, on va dire. Hein. Bah effectivement, on va mieux comprendre ça tout de suite, mais alors attends, passe-moi mes lunettes de soleil, là, parce que... Mais c'est pas possible, oui, Noémie, bah... je ne peux pas Elle brille, elle désolée. brille de mille feux. J'adore mon t-shirt. Non mais il est très beau, il est très <laughs> beau, est très, très très beau, ça, ça nous donne un petit avant-goût de Noël et des décorations. <laughs> c'est très sympa. Il Donc a plus, il n'a pas dit pas 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 que tu ressemblais loin. à un sapin, mais... Pas euh... Il a des boules de sapin, bref. Non, ouais, pas, vrai, du vrai, tout, vrai. pas du tout. Donc on va parler neutralité du net avec Noémie. Oui alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin de neutralité du net Noémie, où ça commence et jusqu'où ça va Bon, alors, je ne vais peut-être pas tout vous raconter, parce que le temps m'est compté ça hein, dans l'espace de cette chronique. Déjà voilà, mais en fait, en effet, aujourd'hui, il y a une actu qui nous vient de, des États-Unis, puisque c'est un sujet très américain, qui euh, nous inquiète un petit peu, enfin, qui inquiète sur la neutralité du net. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la neutralité du net euh, Pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet, alors, le principe de la neutralité du net, c'est qu'en fait... Euh, toutes les données qui circulent sur Internet ont la même valeur, mmh. euh, quelle que soit leur nature, quel que soit leur émetteur. Ça veut dire concrètement que vous pouvez accéder au contenu que vous souhaitez sur un site Internet, un blog, une plateforme, avec une vitesse de connexion qui est égale pour toutes ces données. C'est ça, enfin euh, en gros, les, les tubes qui transportent. C'est-à-dire qu'on ne euh, fait pas le distinguo on fait pas voilà. le prix, ouais. dans les... les données qui circulent par un tuyau. En fait. Exactement. Elles vont toutes à la même vitesse. Si on devait euh, censurer tes blagues, euh, ce serait, ça te coûterait une fortune. Bah déjà, ça serait très compliqué <laughs> parce que voilà bon. mais bref voilà donc en fait les, les tubes qui transportent les données euh, sont neutres c'est ce principe là de la neutralité du net alors ça fait plusieurs années qu'on craint en réalité euh, pour cette neutralité du net. Hein. Ce n'est pas nouveau ce sujet. Non, on en parle depuis des années aux États-Unis. Les fournisseurs d'accès aux États-Unis ont la particularité d'être également des producteurs de contenu. Par exemple, Comcast est également propriétaire de NBC Universal. NBC Universal, ça représente plusieurs chaînes de télévision, plusieurs studios. Et en fait, ils ont tendance à vouloir favoriser les contenus qui sont les leurs. Ces FAI vont... Euh, Très clairement, enfin, ils voient un, un business énorme à se faire, puisque euh, s'ils font payer les gros producteurs de contenu, les GAFA, Google, Amazon par exemple, eh bien, euh, ils, peuvent, ils peuvent leur faire payer pour garantir leur débit. On soupçonne euh, Netflix d'avoir payé pour euh, que l'accès au catalogue de ses vidéos soit garanti. Euh, mmh. Netflix aux États-Unis, c'est. En, en termes de bande passante, c'est énorme. Ah, c'est monstrueux, ils prennent toute la bande passante. Oui, à peu près un tiers hein. de la bande passante. Ouais. Donc c'est vraiment énorme. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien en fait, ça pourrait sonner la, neutra... la fin de la neutralité du net. Pourquoi C'est que la FCC, donc euh, en français, c'est la Commission fédérale des communications, doit se prononcer là aujourd'hui même sur l'abrogation d'une règle qu'avait euh, qu avait mis en place l'administration de Barack Obama. Cette règle, en fait, qui garantit euh, la, la neutralité du net. La FCC, en fait, a un nouveau président. Euh, il a a été nommé par Donald Trump, dont on connaît les positions sur la neutralité du net. En fait, c'est d'y mettre fin d'une certaine manière. Ouais. Euh, alors concrètement, ça va changer quoi, même si ça a déjà un petit peu commencé à changer, puisque euh, vous le disiez, il y a déjà des entorses un peu à hein, la neutralité du net Oui, alors en fait, ce ce, pour les consommateurs, ce que ça pourrait changer, d'abord, enfin, c'est deux choses. La première, c'est le coût d'accès à Internet, puisque si on imagine que euh, pour avoir un, accès, un débit garanti à des applications, à des sites que l'on fréquente régulièrement, euh, YouTube, par exemple, mmh. on pourrait très bien imaginer qu'il faille ajouter à son euh, abonnement euh, euh, Internet tous les mois une option pour avoir YouTube débit garanti. Mmh. La même euh, chose pour Netflix. Euh, voilà. voilà. Donc on pourrait imaginer qu'on passe d'un forfait moyen aujourd'hui en France de 30 euros à euh, 40, 50, 60 euros. Mmh. Donc ça pourrait ça changer déjà en termes de tarifs. Et puis l'autre chose que ça pourrait changer, c'est plus insidieux, c'est que en fait, si on fa favorise les énormes producteurs de contenu, on favorise en fait. Euh, une, on, on, on canalise, on oriente d'une certaine manière l'opinion. Puisque les petits sites, euh, les petits blogs, les petits sites, les, les, les titres de presse plus indépendants. Ah, ils en feront bah, les frais. Bah, exactement. Ils, auront, ils seront moins facilement accessibles. Donc en fait, c'est un sujet politique et ça concerne la liberté d'expression. C'est pour ça qu'il y, y en a beaucoup qui s'inquiètent en fait. Alors est-on sûr que si la neutralité du net tombe aux États-Unis, comme ouais. ça a l'air de se profiler, hein, enfin, même si à l'heure où on, on parle, il n'y a, y a ça pas, pas acté. eu de, de ouais. décision, est-ce qu'on verra la même chose arriver en France par exemple Alors il n'y a, a rien, il n'y a aucun lien entre les États-Unis et la France. Ce sont deux euh, autorités différentes, deux autorités de régulation euh, différentes, et on sait que l'Union européenne est très protectrice vis-à-vis -vis de, de ce sujet-là, mmh. et la France est très protectrice. L'ARCEP, qui est l'autorité de, de régulation, euh, le, le, le dit un peu partout depuis quelques jours, il n'y a pas de raison de s'inquiéter directement, mais son président, qui s'appelle Sébastien euh, Sorano, euh, résume la chose. Je vais vous dire ce qu'il a dit euh, dans une interview donnée au Monde. Il dit il peut y avoir des impacts. Indirect, on peut s'attendre à ce que cette décision alimente le discours des opérateurs euh, télécoms européens et français en faveur de la suppression de cette législation. En gros, si les États-Unis actent la fin de la neutralité du net, ça pourrait créer un précédent duquel pourraient se réclamer en fait les opérateurs de télécoms en France oui, et en une Europe. Espèce de jurisprudence. Exactement. Ça. Oui, parce que ça les tente les opérateurs malgré ouais, tout. Il oui, y, que... y a un business énorme à se faire avec ça. Donc évidemment, que ça les tente. Ouais. Enfin, business, et puis ce qu'expliquent aussi les opérateurs, c'est que pour garantir la, la qualité de service pour euh, même des applications futures, euh, eux disent qu'ils sont, ils sont obligés d'y de, de, penser, en fait. Ouais. Euh, voilà. Mais concrètement... Enfin bon, il faut rester neutre dans la neutralité du net. Il faut rester neutre dans la neutralité du net. Eh bien voilà, bien vous savez tout. quoi, voilà. ça, sera, ça sera le mot de la fin Merci. de ce Zoom actu. Merci beaucoup Noémie. Ouais, C'était vraiment très, très pédago et ça, peut, vous. Ça, vous invite, ça vous donne peut-être envie euh, de participer à notre sondage et notre question 01net Orange, où on revient justement sur cette neutralité du net. Est-ce qu'elle vous inquiète, cette neutralité du net voilà, on est bah, à 65-35. l'éventuelle disparition qui est, qui est inquiétante. Quoi, oui. Même si aujourd'hui, on le répète, hein, il n'y a aucune menace hein, pour la neutralité du net en France en, en France. tout cas. Mmh. On revient dans un instant les amis, euh, 18h18, toujours en live à la fois sur YouTube, sur ZeroNet TV et vous pouvez aussi nous contacter via Twitter et on va direction le labo Jérôme. C'est le labo qui vient à nous tout de suite. On parle d'un nouveau smartphone et de Star Wars. Ils sont là, nos Jedi, nos Star Troopers de la tech et du labo. Emeric Siméon. Bon Salut soir, Emric. bonsoir. Bonsoir, Emeric. qui est venu avec son, ça, dire son barda. Euh... C'est pas tout, tout, tout à fait ça. Tout de suite. J'ai venu avec euh, mon kit du parfait Padawan. Ah, le kit du parfait cool. Padawan. Dans un instant, on va parler de Star Wars. Et puis Raphaël Grabi. Salut, Raphaël. Salut. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Qui est venu nous parler d'un nouveau smartphone qui s'appelle le Razer. Razer. Je euh, oui, Razer. Raser, oui. Alors, c'est une marque bah, qu'Emeric connaît bien, hein, puisque c'est une marque pour gamers. Eh oui, c'est pas une sert. marque de smartphone. Non, plus, bah, oui. pas du tout. C'est son premier smartphone. Donc, euh, habituellement, Razer, c'est surtout des PC gaming. Des PC de gamers donc là il sortent un smartphone vraiment euh, on va dire à destination euh, des joueurs alors il se démarque pas forcément par sa puissance même si on aurait pu penser que ce serait le cas parce qu'il a un, un processeur le stand dragon qu'on connaît bien mm -hmm. qui est utilisé par beaucoup de, de concurrents là, il repasse, là. donc et en fait il ils ont passe, <laughs> donc, il <passe rire> ouais, ouais, voilà sous <laughs> sous donc en fait ils ont trouvé une petite façon de se distinguer <laughs> et c'est par l'écran et par la technologie de l'écran c'est à dire que c'est un écran 120 Hz, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir un taux de rafraîchissement plus important que les autres pour afficher ah. jusqu'à 100 images par seconde. Euh, donc c'est un petit peu la nouveauté. Alors on l'a testé, il hein, y a le test qui est euh, en ligne hein, sur 01net.com. Euh, sur si on juge vraiment que la nouveauté, c'est-à-dire l'écran, ouais. la puissance, de toute façon il est très il a, puissant. Il a, et a un joli, un un joli look. Hein. Alors justement, bon, c'est là où on non va peut-être ah. pas être d'accord. <laughs> euh, mais sur vraiment sur l'écran, euh, moi j'ai trouvé que c'était très efficace, notamment. Alors en jeu, c'est efficace, si ce n'est que quand on augmente le taux de rafraîchissement de l'écran, il y a plus de boulot pour le processeur. Donc finalement, ce processeur galère un petit peu plus, même s'il est très puissant. Donc finalement, l'expérience de jeu n'est pas fondamentalement meilleure que celle d'autres smartphones ah, qui ne sont ouais, pas bon. uniquement dédiés au jeu. L'écran va plus vite, mais le pros va moins vite. Exactement, quoi. donc finalement, moi, le, 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 la meilleure fluidité que j'ai trouvée, c'était en 90 Hz, c'est pas en 120, paradoxalement.